Une vue imprenable sur les étangs dans le quartier de Montplaisir, le Clos de l'Orchidée accueille 80 résidents dans le plus grand des conforts. En effet, cet établissement, âgé de 9 ans, vient d'être presque entièrement rafraîchi. Visite. On travaille tous pour la même chose, pour le bien-être des résidents, pour pouvoir adapter les prises en charge. Et cette complémentarité avec le public est essentielle. On ne propose pas forcément les mêmes services, donc on se doit de travailler ensemble et pas les uns contre les autres, ça n'a pas de sens. On a vraiment tous le même objectif. On a 49 salariés en tout. On a 18 aides-soignantes, donc une prise en charge qui est confortable. Voilà, on a 6 places d'accueil de jour également. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, on accueille les résidents que pour la journée. C'est aussi une alternative au maintien à domicile. Un autre but, c'est pas de les contenir dans notre institution, mais justement de les accompagner petit à petit lorsque leur état de santé le nécessite.